Bonjour, merci à tous d'être venus si nombreux à cet Ignite, le premier de Dijon. Donc, on s'est mis comme hashtag Ignite Dijon. Donc, si vous voulez tweeter, vous tweetez avec cet hashtag-là. Donc, on peut souhaitement remercier la CCI de nous accueillir, Philippe Rouillet de nous avoir fait confiance pour cette soirée. Donc, on se met dans les conditions des orateurs qui vont nous suivre, c'est-à-dire 5 minutes, last slide. Ça vient. Et 15 secondes par slide. Alors, 15 secondes, vous verrez que parfois ça peut être long, parfois ça peut être court. La preuve, c'est long, c'est long, c'est long, mais ça sera pas tout le temps comme ça, c'est juste pour rigoler. Et donc, les Ignite, ça fait quelques années que j'y pense. Donc, j'en avais parlé à l'époque à Grégoire Japiot, il y a 2-3 ans, et le manque de temps, le manque de disponibilité a fait que c'est resté un concept pendant ces 3 années, jusqu'à cet été, sur la plage, je me suis dit, en rentrant, un Ignite à Dijon, il faut le faire. Donc j'ai réfléchi un petit peu, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment ça pouvait se mettre en place, qu'est-ce qu'on pouvait présenter, et je pensais que présenter des projets pouvait être intéressant. Donc, en rentrant de vacances, un peu triste, j'ai contacté Agathe Bonin, Isabelle Boucher-Douagneau, Grégoire Japiot, Grégory Maubon, qui m'a dit ok, on le fait ensemble. On a dit il faut le faire. Alors qu'est-ce qu'on a pu choisir comme nom? Donc on a choisi plusieurs noms: Ignite, 5 minutes chrono, 20 slides pour un projet, les rancards innovants. On ne savait pas trop quoi choisir, on n'avait pas envie de garder le nom, on avait envie de le garder. Donc on a gardé Ignite. L'avantage c'est que les Ignite, c'est un réseau mondial. Depuis 2006, il y en a partout dans le monde. Il y en a eu un en Afrique, un seul. Beaucoup aux US, pas mal en France. En France, il y a Ignite Strasbourg, Paris, Nice et maintenant Dijon. Donc, il manque des slides. Donc, Grégory m'a dit, ok, on le fait ensemble. Donc, une fois qu'on avait trouvé le nom, il nous restait à trouver un lieu. Et c'est là que la force de Grégory, a convaincu les personnes de la CCI de nous accueillir. Donc, une fois qu'on a trouvé le lieu, le nom, la date, il ne restait plus qu'à trouver des orateurs. On vous remercie d'être là et de bien vouloir vous prêter au jeu du premier. Donc on a communiqué pas mal sur les réseaux sociaux pour dire un petit peu ce que c'était. Et on a monté un site internet sur lequel on retrouve tous les speakers de ce soir, les présentations, et dès la fin de la semaine, vous aurez les vidéos qu'on est en train de faire et les vidéos sur YouTube. Maintenant je passe la main à Grégory qui va nous présenter ce que c'est qu'un Ignite. Non, celle-là, elle est à toi encore. Si c'est un bon moment, on peut la faire à deux. Hein. Un bon moment, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est des bons moments en soirée comme ça, c'est le but. C'est assez convivial, c'est pas business. Et surtout 15 secondes. Maintenant, c'est à toi. Donc là, c'est à moi. Donc moi, j'ai mes notes, moi, parce que 15 secondes, c'est court. Donc vous avez compris, un Ignite, 5 minutes, 15 secondes par slide, 20 slides. Transition automatique, ça vous l'avez vu. Le petit machin qui va au bout là-bas, qui incite à parler vite quand on est à la fin parce qu'on est parti, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc si on a loupé, tant pis. Les Ignite, les sujets, c'est assez ouvert, on peut parler de tout. Vous avez reçu le programme de ce sur quoi on va parler ce soir. Vous voyez, il y en a même qui arrivent à rendre intéressant en 5 minutes des comparaisons entre ITIL et 6 Sigma. Pour ceux qui connaissent en informatique, c'est du boulot. Hein. Toujours est-il que c'est ni un jury ni un concours. On est un peu dans l'esprit débarquant, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas d'experts ici, il y a des passionnés, des gens qui veulent transmettre quelque chose. Donc le maître mot de la soirée, c'est surtout de la bienveillance. La bienveillance, oui, mais bon, le boulot des animateurs, c'est quand même de vous enflammer sur leur passion. C'est ce qu'ils vont faire en 5 minutes, chrono. Hein, je rajoute, hein, ça fait 10 fois qu'on le dit, mais 5 minutes, pas une de plus, 15 secondes, pas une de plus. Donc c'est leur mission, ils sont obligés d'aller à l'essentiel sur leur sujet. Parce que évidemment, s'ils délayent un peu, ou alors si, en gros... ça ne sait pas quoi dire. C'est long, 15 secondes. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas, je vous pose une question. Enfin bref, on est au courant de la qualité des speakers de ce soir et on est sûr que ça va bien se passer. N'oubliez pas quand même qu'à l'issue de la présentation, il y aura un petit cocktail, enfin un truc convivial, où le but c'est d'échanger des cartes de visite. Et puis, comme vous saurez ce dont parlent les présentateurs, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec leur projet. Voilà, je vous ai presque tout dit. Je vous rajoute juste que par rapport au format original, on a prévu, vous voyez ici, après chaque présentation, un petit temps de questions. Pas grand chose, maximum 5 minutes, mais bon, si vous avez des questions, autant les faire tout de suite.
Vous trouverez, comme a dit Olivier, l'ensemble des ressources sur le site ignitedijon.org. Donc, avec Olivier, nous vous remercions du fond du cœur d'être présent à ce premier Ignite Dijon.